Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes lundi, nouvelle semaine aujourd'hui. Ça va faire 15 jours que l'on ne s'est pas retrouvés. La semaine dernière, je ne vous ai pas sorti de vidéo parce que voilà, comme bien souvent quand je ne le fais pas, c'est parce que je n'ai pas eu le temps, parce que j'étais fatiguée et je suis encore assez cette semaine. Je pense que l'été va être dur. Et donc voilà, des fois, ça, en termes d'organisation avec mon planning de garde et tout ça, c'est compliqué de filmer et au mieux si j'y arrive, je sais que je n'aurai pas le temps de monter le vlog en temps et en heure. Donc je préfère me libérer de ça quand je sais que ce sera trop compliqué et puis de vous retrouver dans la semaine qui suit ou dans les deux semaines qui suivent, tout dépend un petit peu de mon organisation. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un petit vlog, on est déjà l'après-midi, je travaille ce soir et demain soir. Ce matin donc j'ai pas mal dormi, last week-end j'étais morte de chez morte, j'ai eu du mal à récupérer de mes deux nuits là, j'ai fini vendredi matin. On a eu un week-end, enfin voilà, on était à la maison tranquille, mais voilà, on a fait pas mal de choses, ma soeur était là, donc voilà, j'ai pas pris trop le temps de me reposer. Et là ce matin, presque ce midi, j'ai eu du mal à émerger. Et je me suis dit, Noémie, motive-toi parce que t'as tes courses à faire, t'as tes repas à préparer, j'ai des trucs à faire aussi, faut que j'aille chez Kiabi, enfin bon bref, j'ai l'impression d'avoir plein de choses à faire. Donc il a fallu que je me motive, mais l'été est pas encore débuté, enfin si il commence, que je vois les vacances, j'ai l'impression que c'est hyper loin. Moi je suis en vacances début août, enfin le 8 août, et ça me paraît encore très très loin avec ce rythme. Je fais que des nuits au mois de juillet, je crois que j'ai deux gardes de jour il me semble. Voilà, je pense que ça va être assez, assez sport. Je viens de terminer de me préparer, je vais aller récupérer mon drive, comme bien souvent tous les lundis. Récupérer mon drive, il faut, comme il faut que je passe au magasin bio aussi, il faut que j'aille chez Kiabi, parce qu'il faut que j'achète un maillot de bain pour Victoire, parce que ce week-end on va à la plage, on va à la mer ce week-end, comme je ne travaille pas le week-end prochain. Je pense que je vais juste lui prendre, non, je vais certainement lui prendre un ensemble de maillots de bain, mais je pense que je lui mettrai juste le bas de maillot de bain à la plage avec un t-shirt, vous savez, en petit UV. Comme ça on sera beaucoup plus tranquille, je trouve, en termes de protection solaire. Donc voilà, donc faut que j'aille acheter ça parce que je sais pas quand j'aurai le temps. Sinon je finis mercredi, j'aurai juste jeudi de repos, mais en sachant que jeudi j'ai déjà plein de choses à faire, et on part le week-end. Donc faut que je fasse ça aujourd'hui. Il faut que je passe aussi à la bibliothèque rendre les livres de Victoire et tout ça. J'ai 3 heures là devant moi pour faire tout ça et préparer à manger aussi. Et voilà, et donc c'est encore la course. Comme avant chaque garde de nuit, j'ai l'impression de courir à chaque fois. Et ensuite, j'ai récupéré Victoire en fin d'après-midi. Voilà pour le petit planning. Donc ne perdons pas de temps, je vais prendre mon sac et puis on file aux courses. Bon, je vous fais une petite tenue du jour, sauf que je ne vous ai pas fait ça. Avec le bazar de Victoire derrière, hein, parce que à la maison, je n'ai que ce grand miroir et qui se retrouve dans mon bureau et qui est aussi la salle de jeu de Victoire. Donc voilà, d'où le bazar enfantin derrière. J'ai en haut un petit débardeur de chez Camailleux que j'ai depuis, j'irai l'année dernière ou il y a 2 ans maintenant. Un jean de chez Dressing de Nana, vous savez j'adore ce site. Mes petites sandales, mes petites tongs qui viennent de chez San Marina, et j'ai mis sur les orteils le vernis à ongles que j'avais acheté de chez OPI que je vous avais montré dans un vlog. Mon petit sac, bien souvent il y en a plusieurs qui me demandent d'où vient mon sac. C'est de la marque, alors ça s'écrit pièce avec un S à la fin, ou piste, je sais pas comment ça se dit, mais voilà, en tout cas il est voilà doré. Moi j'adore ce genre de sac, bandoulière super pratique et doré, je trouve que ça va avec tout. Voilà pour la petite tenue du jour, et puis au niveau des bijoux toujours pareil, mon petit médaillon habituel et mes petites boucles d'oreilles, ça je crois que c'est Damien qui nous avait offert, ils avaient acheté en bijouterie. Voilà, et mon alliance, c'est tout. Voilà, donc allez, let's go, on part pour les courses. Thank you.
16h, je viens de rentrer à la maison. Ça va, je suis à peu près dans le timing. J'ai eu le temps de récupérer mon drive, aller au magasin bio. Je suis passée chez Kiabi donc pour trouver un petit maillot de bain pour Victoire. Donc autant vous dire que je n'ai pas craqué que sur un petit maillot de bain. Évidemment, j'ai vite fait un petit tour dans les rayons. J'ai pas pris grand chose. Mais je ne pouvais pas m'arrêter à uniquement un petit maillot de bain. Je trouve des petits trucs, des basiques, mais assez sympas. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Je suis passée au magasin bio aussi et ils avaient des figues fraîches. Trop contente, des figues noires fraîches. Moi, j'étais persuadée que la figue, c'était un fruit, vous voyez, plutôt de fin août, septembre. Et l'autre fois, j'ai vu sur Insta, vous savez, une petite photo où c'était marqué les fruits de saison et c'était marqué les figues. J'avais été étonnée. Et non, il y a des figues, putain c'est trop bon. Et j'ai repris, vous avez dû voir, du chocolat. Donc j'étais trop déçue, il n'y avait plus le chocolat Mamselle Choco à la menthe que j'adore d'amour hein, depuis quelques semaines. Et j'ai pris par contre le 85%, le nature, parce que j'aime bien comme je vous disais, la texture et le fondant de ce chocolat, donc enfin de cette marque là. Donc j'ai pris voilà le 85% du Pérou. Et voilà, j'étais un petit peu déçue que je voulais un chocolat à la menthe, j'ai vu celui-ci qui était à côté, chocolat noir à la menthe, donc lui il est à 74% par contre de cacao. Et bah écoutez, je vais le goûter ce soir, je pense, en garde de nuit. Bon allez, je finis de ranger ça, puis je vous montre les petits habits de Victoire. Alors, pour le maillot de bain que j'ai choisi, j'ai pris celui-ci, j'ai pris un deux pièces. J'ai hésité longtemps à me dire une pièce, deux pièces. Je trouve qu'une pièce pour les petites filles, c'est mieux. Enfin, c'est mieux, je trouvais que ça faisait plus de petites filles, parce que c'est vrai que des fois, il y a des trucs deux pièces. Moi, je trouve que ça fait limite des trucs d'adultes, et voilà, j'avais pas trop envie, mais comme je vous disais, elle aura peut-être pas elle mettra pas forcément le haut ou au pire sous un t-shirt anti-UV. C'était surtout pour la culotte de bain, et clairement la culotte de bain est quand même plus facile, parce que si elle doit aller aux toilettes et tout ça, avec le machin une pièce c'est chiant, ce sera quand même beaucoup plus pratique le deux pièces. Donc j'ai plus pris d'un côté pratique, mais comme je vous dis, le haut je pense qu'elle le mettra, mais il y aura un t-shirt par-dessus. Donc j'ai pris ce modèle là que je trouve quand même assez sympa, avec le petit liseré doré. Il est orange et un peu terracotta, je le trouve super sympa, avec voilà la petite brassière. Il m'a coûté 12 €, je l'ai pris en 3 ans. Une robe, alors ce sera vraiment la petite robe de plage, voilà, aussi facile à enfiler, avec des petits citrons, je la trouvais super choupie. Et à 4 €, donc vous voyez vraiment la petite robe toute basique. J'ai pris un bon basique aussi, un short en jean, donc pareil en 3 ans, celui-ci est à 8 €. J'ai pris aussi un top à bretelles, voilà, avec des petits coquillages qui est corail, et il était à 4 €. Terminé, oui j'ai pas fait non plus beaucoup de folie hein. Autre petite robe aussi, la petite robe facile à enfiler, pareil je l'ai pris en 3 ans. Voilà, la petite robe toute basique, rose, avec des petits froufrous comme ça, un petit peu côtelé, dentelé, là. Et voilà, la petite robe toute simple. Voilà, et celle-ci, elle était à 9 €. Voilà pour mes petits achats pour Victoire. Vous voyez, rien de foufou, mais ça va agrandir un peu sa garde-robe. Bon, maintenant, je vais terminer la préparation de mes repas. Comme je disais, ma purée pâte douce est en train de se lancer. Donc, ça va être assez rapide. J'aurai juste à la mouliner ensuite. Et donc ça c'est prévu pour demain soir, j'accompagne ça avec un steak haché et puis une salade verte. Donc autant dire ça, je passe à la dernière minute demain. Et pour ce soir, je fais une poêlée de courgettes, tomates cerises avec des émincés de... des aiguillettes de poulet. Je fais revenir ça à la poêle. Je sais pas au niveau saisonnement sur quoi je vais partir. Est-ce que je pars sur un truc plutôt curry ou plutôt sauce soja, ou j'ai de la mozza aussi. Je me dis à moi que je vais mettre ça avec de la mozza, parce que j'accompagne ça aussi avec des pâtes, des spaghettis, où je vais mettre ça vraiment avec plein d'ail et tout. Basilic, je ne sais pas comment je vais assaisonner, mais en tout cas voilà, c'est une poêlée de légumes poulet avec des spaghettis, trop simple. Donc je termine de préparer ça et il sera temps, il est 4 h 30, il faut que je me dépêche parce qu'il faut que j'aille aussi à la bibliothèque avant d'aller chercher Victoire, parce que ce serait plus pratique, parce que si je vais chercher Victoire à 17 h 30, donc après le temps que je file à la bibliothèque, de toute façon on va fermer à 18 h, donc ça va être trop le rush, donc faut que j'y aille avant. Donc je me spin un petit peu. Bon, maintenant
maintenant je vais filer à la bibliothèque, je vais aller ramener les livres de Victoire. Il est 50, à peine 17h, il est 58. Du coup je vais y aller en vélo parce qu'il fait beau, puis finalement ça va aller plus vite pour me garer, tout ça va être plus simple. Ma purée de qui vient de terminer, je la moulinerai tout à l'heure quand j'arriverai, c'est pas très grave. Là, voilà, j'ai une demi-heure, le temps d'aller à la bibliothèque, chercher d'autres livres. Soit je serai dans les temps et j'aurai le temps de repasser ici, déposer les livres et chercher Victoire. Soit il faudra que j'aille directement la chercher en rentrant à ma bibliothèque. Je vais voir, mais en tout cas il faut que je file. Allez, c'est parti, on va déposer ça. Et je crois que je vous ai jamais montré mon vélo, je l'ai acheté dernièrement, il y a un mois globalement, et on l'a pris chez Decathlon parce que alors le mien était vieux et archi vieux. Je crois que j'avais eu celui de ma soeur qu'elle avait eu à sa communion, j'avais eu celui de ma communion, enfin bref, il était bien trop vieux. Donc j'en ai acheté un autre et on a pris celui-ci donc chez Decathlon. Donc c'est de la marque Elops. Donc vous voyez, il est bleu nuit, il a un petit panier, les roues blanches. On a rajouté du coup le porte-bagages pour Victoire et il est vraiment vraiment sympa, super confortable. Le petit panier aussi, j'aime bien le guidon qui est assez ample, c'est un vélo de ville. Et donc il est vraiment top, donc très très bien, j'en suis ravie vraiment. Donc de chez Decathlon, je sais plus trop le prix, 200 ou 300 euros je crois, je ne sais plus, vous le retrouvez sur le site hein, mais il est vraiment vraiment sympa. La ref précise, c'est le classique 520, vraiment j'en suis ravie. Récupérer Victoire, elle découvre les petits livres que je lui ai pris à la bibliothèque. C'est qui ça? C'est Pouette-Pouette. Pouette-Pouette. Pouette-Pouette et Cacahuète. Et quoi d'autre? Et ça, c'est Patatras. Si. Et ça, c'est quoi? Et ça, c'est... Bah, c'est Pouette-Pouette. Ah non, c'est Cacahuète. Ça, c'est ça, lui. C'est lui, Pouette-Pouette. Et ça, c'est quoi? Un dinosaure? C'est pas un dinosaure, ça. C'est un loup. Un loup. Ça c'est noir. Ouais, c'est noir. Je te laisse regarder les livres, maman, et range les affaires. Maillot de bain. Tu veux voir ton maillot de bain? Ouais. Attends, maman elle pousse les affaires. Je regarde, vois. Ça c'est ce que maman elle t'a acheté chez Kiabi. Et alors, regarde, ça c'est une robe. Une robe. Ouais. Ici c'est quoi? Tu vois la robe? Ça coûte à quoi? Hein, ça c'est avec du citron. Ça c'est un petit t-shirt, un débardeur. Et tu vois un t-shirt comme tu aimes bien? Et ça c'est le maillot de bain, tu as vu? La petite culotte et la petite brassière pour aller à la mer. Mais une couche. Ah bon, on mettra pas de couche? Bah non. La couche de la piscine. La couche de la piscine? Bah non, on n'a plus besoin de mettre la couche de la piscine. Maintenant tu es grande, on met qu'une culotte. Moi je vais faire du gant blanc. Oh, tu feras du toboggan. Mais il n'y a pas de toboggan dans la mer, Mimi. Pourquoi? Ah bah la mer, le toboggan, il est que dans la piscine. Là, nous, ce week-end, on va à la plage, on va à la mer. On va faire des châteaux de sable. Mmh. Ouais. On va prendre la voiture à qui? Ah bah on prendra la voiture de papa et maman pour y aller. Et moi, je vais la voiture à papa. Ah bah oui. Et on ira avec mamie et papy aussi. Ouais. Ah bah ouais, hein. Regarde comment tu fais du vélo? C'est parti? C'est parti, moussaillon. C'est parti, moussaillon. C'est allez. Moi. Ouais. Allez. Tu fais le tour de France. Oh, génial. C'est moi. C'est toi qui fais le tour de France. D'accord. Bon, il est 18h30, je me pose 2 secondes, je pense que je me suis pas assise de l'après-midi quoi. Je viens de terminer de préparer mon sac, là je vais manger un morceau parce que je commence vraiment à avoir faim depuis mon petit déj de ce midi. Bref, donc je vais profiter de clôturer ce vlog maintenant parce qu'après voilà, ça va être on va manger et puis après je vais partir au boulot, donc rien de très intéressant. Donc en tout cas, j'espère que ce petit vlog vous a plu, n'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires et puis bah, écoutez, pour ma part je vous envoie plein de bisous puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.